Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu. Un jeu qui s'appelle Les Portes de l'âme, qui a été réalisé par Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. C'est le petit frère de Les Portes de l'intuition, qui a été réalisé par les mêmes auteurs et illustratrices et artistes, et qui est paru aux éditions Contredire, je crois. Non, Le Courrier du Livre. Oui, tous les deux, Le Courrier du Livre. Les Portes de l'Intuition, ça fait un moment que je l'ai, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Je vous ai fait pas mal de tirages avec, parce que je trouve qu'il est très intéressant en fait, et bien justement, à lire à l'intuition, où vous regardez l'image, juste le mot-clé, et sans vraiment aussi, sans forcément s'imprégner du texte, on s'imprègne vraiment de l'essence de l'illustration, et je le trouve très intuitif. Alors, je crois que Les Portes de l'âme est sorti l'an dernier. Pour ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes actuellement en 2020, donc je pense qu'il est sorti en 2019, début 2019 ou fin 2018 en tout cas. Et c'est donc son petit frère. Il va se composer de la même façon, vous voyez, avec un boîtier rigide qui s'ouvre comme ça, vers le haut. Alors, je vous mets comme d'habitude, hein, bien sûr, la référence. Je vais vous mettre la référence des deux jeux en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir. Il y a une différence entre ces deux jeux, c'est que là où il n'y avait que des illustrations pour Les Portes de l'Intuition, pour Les Portes de ton âme, donc celui-ci, il y a également une partie avec des photographies. Voilà, donc on a un travail d'artiste qui est en même temps avec des photographies et vous voyez des illustrations qui sont des peintures, comme les peintures qu'on retrouve justement dans Les Portes de l'Intuition. J'adore celle-là, je la trouve sublime, les couleurs. Voilà, donc on a ces deux travails qui sont représentés. Alors, dans le livret, on a toujours un livret de la même taille, hein, que l'autre. On a toute une introduction sur comment prendre en main le jeu. Donc voilà, vivre sa mission de vie, c'est réussir sa vie matérielle et spirituelle. Donc la vie cherche notre attention, changeons et la société changera. À chacun sa mission, à qui s'adresse ce jeu, le but du jeu et son concept. Les 22 cartes égo, les 22 cartes d'âme, les 10 cartes d'aide. Vous avez ici des groupes que vous retrouvez, vous voyez ici sur les cartes. En bas, la petite lune par exemple, c'est celle-ci. Donc vous avez des groupes, donc chaque carte a vraiment fait partie d'un groupe et a son propre pictogramme pour vous permettre justement de savoir à quelle carte se rattache, à quel groupe se rattache la carte que vous avez en main. Les informations que vous pouvez retrouver justement sur les cartes. Comment utiliser ce jeu? Alors c'est intéressant parce que vous avez alors, des questions pour l'ego, des questions pour l'âme, des questions pour l'aide. Et ensuite, vous avez vraiment des tirages. Vous avez des petits exercices qui vous sont proposés, des conseils pour chaque tirage. Et vous avez également des modèles de tirage, voilà. Donc, modèle de 2 ou 3 cartes. Je crois qu'il y a un modèle à une carte, voilà. Tirage d'une seule carte. Tirage 2 ou 3 cartes. Vous voyez, vous avez ici la représentation. Vous avez le tirage relationnel qui est très chouette, le tirage le chemin de votre mission, un grand tirage, voilà, le grand tirage de votre mission. Donc très sympa également, ça, on voit un petit peu la disposition du, enfin c'est pas tout à fait la même disposition que le tirage en croix puisque c'est 1, 2, 3, 4 et la cinquième est piochée pour le tirage en croix, mais on a cette idée d'étoile, hein, qui est reprise. Et ensuite, vous avez les cartes. Pour chaque carte, donc vous retrouvez le logo pour vous dire que cette carte-là, par exemple, fait partie des cartes égo ombre. Alors bien sûr, vous avez toute une explication sur la polarité justement de ces cartes-là, ce qu'elles signifient. Et vous avez par exemple ici, pour cette carte, pour les cartes, un petit texte. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc c'est le principe de la carte, c'est la phrase clé de la carte. Ensuite vous avez l'interprétation et enseignement, votre message,
pour votre mission et vos talents. Alors on tirera une carte à la fin pour que je puisse vous montrer tout ça. Voilà, donc vous avez ça pour chaque carte. Vous avez ensuite les cartes égo lumière. Vous avez avec ce logo les cartes âme. Et avec celui-ci les cartes aide. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes une à une. Ensuite on fera un petit tirage ensemble. Alors je vous rapproche. Voilà. On a l'inaction. Et vous avez, j'aime bien parce que vous avez le petit récapitulatif, la petite phrase clé justement en bas. Donc vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser le livret aussi, vous avez cette possibilité de simplement prendre le jeu et ça facilite aussi quand même le tirage. L'emprise émotionnelle, la culpabilité, le contrôle, l'ambition, l'allègement, la soumission, l'injustice, le non-amour, la dualité, l'autonomie, la force d'action, le mental positif, l'ordre, la permission, la persévérance, la protection, le perfectionnisme, le pessimisme, la projection, le sabotage. Donc là, on était dans les cartes égo ombre. Et ici, on va passer dans les cartes égo lumière. Donc ici, on a la responsabilité. Ici. Alors. Je crois que je ne les ai pas mises dans l'ordre. Hop, je regarde vite fait. Toc, toc, toc. Voilà, c'est ces deux cartes qui vont ici. Hop. Donc la responsabilité pour l'ego lumière. Ensuite, on a l'amour. On a changé ici. L'ancrage. Donc on est dans les cartes âme. L'altruisme, la beauté. Le centrage. Et là, on a donc des représentations de peinture. J'aime beaucoup. Oui, je ne vous ai pas montré le dos. Les cartes sont de bonne qualité, hein, c'est sympa. Elles sont vernies brillantes. L'incarnation, la générosité que l'on retrouve sur la boîte. Le succès rayonnant. La gratitude. La joie. La magie intérieure, la mort et la renaissance, l'ouverture, la pleine conscience, la sexualité sacrée, la solitude bienheureuse, la force de la gentillesse, le divin en soi, l'ami. Alors, à partir de l'ami, on est dans les cartes aide. Vous voyez, on a changé ici de petit logo. Donc on a l'ami, l'ange gardien, l'animal totem, le coach, l'enfant intérieur, l'esprit de la nature, le guide spirituel, la source intuitive, la magie et le sage. Alors, on va se faire un petit tirage. Un petit peu grande pour mes petites mains. Hop. Elles sont assez souples, donc je pense qu'on peut les faire en mode poker aussi. Par contre, faudrait pas abîmer l'argenté. Elles sont un peu grandes pour mes mains pour pouvoir le faire, donc je suis désolée. Hop. Et on va prendre cette carte-ci. On a l'incarnation. Alors, je vais vous lire
ce qui est indiqué dans le livret par rapport à l'incarnation. Alors, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Grâce à notre corps, nous pouvons faire l'expérience de la vie terrestre. Pure création de la nature, sa constitution physique complexe et intelligente abrite notre âme. Le temps de notre passage sur Terre, un corps nous est confié et il nous appartient d'en prendre soin. En nous incarnant, toutes les portes de nos sens s'ouvrent et on peut entrevoir toute la richesse du monde. Plus notre corps est sain, plus notre esprit devient clair et plus notre âme peut s'y déployer. C'est alors que nous pouvons ressentir son frémissement, la douceur de sa lumière et entendre notre mission de vie. Cette carte vous rappelle qu'une étroite connexion relie votre corps, votre état d'esprit et votre âme à tout ce qui se produit dans votre vie. Le négliger, se couper de lui, peut affaiblir sa vitalité et vous éloigner de tout ce qui est essentiel. Dès que vous écoutez la sagesse de ces messages et que vous remplissez ces besoins, ils développent une incroyable vitalité. C'est donc le moment d'habituer pleinement votre corps et de vous recentrer sur l'importance de son rôle. D'habiter pleinement votre corps et de vous recentrer sur l'importance de son rôle. Vous réalisez alors qu'en vous sentant vivante ou vivant, vous avancez avec allégresse, inspiré par la joie de votre âme. Par rapport à votre mission, vous avez la possibilité d'augmenter votre énergie vitale en respectant votre corps et en lui donnant de l'amour. Intuitivement, vous savez ce qui est bon pour lui, ce qui l'énergétise et à l'inverse, ce qui l'affaiblit. Une grande décision s'impose, prendre soin de votre corps. Cela peut passer par l'alimentation, l'entraînement physique, des exercices de respiration, du ressourcement. Il est également possible que vous songiez à changer de cadre de vie pour être dans un environnement plus sain. Agissez sur tout ce qui va améliorer votre santé, votre élan vital, et vous saurez mieux vous reconnecter à votre nature profonde. Par rapport à vos talents, ce qu'on vous propose, c'est l'attention, la reconnexion et le soin. Voilà, j'espère que ce jeu, ce petit tirage également, vous ont plu. Je vous ai mis les références en dessous en barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.